Samedi 6 mai 2023, les yeux du monde entier étaient tournés vers Londres, alors que le Royaume-Uni entrait définitivement dans une nouvelle ère avec le couronnement du roi Charles III. Il succède ainsi à la regrettée reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Cet événement remarquable a été particulièrement célébré par les Anglais vivant au Tchad, qui ont été ravis d'assister à ces moments historiques. Différentes personnalités ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, dont des diplomates et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad. À cette soirée, le gouvernement tchadien a été représenté par la secrétaire d'État aux affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Isabelle Housna Kassiré. L'ambassadeur du Royaume-Uni au Tchad a souligné que le couronnement du roi Charles III, chargé de traditions et de symboles, redonne vie à l'histoire de la monarchie anglaise. Il a profité de l'occasion pour saluer les excellentes relations de coopération et de fraternité entre Londres et N'Djamena et a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à continuer d'œuvrer et de soutenir tous les projets de développement au Tchad. Je suis fier que le Royaume-Uni travaille pour servir le peuple tchadien. À travers le Tchad, le Royaume-Uni est un partenaire humanitaire et de développement pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Autre moment fort de la cérémonie a été le toast levé en l'honneur du roi Charles III et au nom de l'amitié qui existe entre les deux pays par la secrétaire d'État aux affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Isabelle Housna Kassiré, et l'ambassadeur du Royaume-Uni.